old tree. It seems so close. It's so big that it seems to be close. But I still got a long way to go. C'est un univers mature, heroic fantasy et assez dark. On a tout, tous les ingrédients en fait, d'un jeu d'infiltration. On peut tuer, cacher les cadavres, on peut utiliser son environnement pour tendre des pièges, on peut se rendre invisible, on peut se déplacer de cover à cover. On a un personnage qui est vraiment original, on n'a pas l'habitude de jouer ce genre de personnage et ça implique aussi des modifications en gameplay, c'est-à-dire qu'on est petit, on ne va pas se confronter à des gros gardes en armure, il va falloir ruser, trouver d'autres solutions. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il est petit, mais qu'il est plein de ressources, donc il n'y a pas de frustration, c'est juste on réapprend un peu à jouer et on trouve d'autres solutions alternatives. On est très loin en fait du héros qui va casser la gueule à tout le monde, le badass héros qui va casser la gueule à tout le monde. Quand il est détecté, en fait, là, on est plus à jouer sur de la fuite, sur vraiment être malin, observer le décor, s'infiltrer à l'ancienne, quoi. Personnellement, moi, je suis assez fan de jeux d'infiltration et du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur un jeu auquel, en tant que game designer, on aime jouer. On a voulu revenir en fait à l'essence des jeux d'infiltration qui étaient beaucoup plus punitifs en fait quand on a été détecté. Donc là, on a quand même des chances de fuir et on a les outils en fait pour le faire. Par rapport aux mécaniques d'infiltration, on a essayé de penser les mécaniques par rapport au fait qu'on jouait un gobelin et pas un personnage équipé de FAMAS ou de grenades. On a voulu faire énormément de chemins différents, énormément de possibilités avec la verticalité, le côté agile du gobelin, les différentes compétences du personnage pour en fait laisser la part belle à l'expérience du joueur en fait. Le son permet vraiment de savoir si toi tu fais des types de bruits plutôt intenses ou des bruits plutôt faibles. Tu peux marcher sur des tapis par exemple, le bruit est beaucoup plus fin. Quand tu tombes de haut du coup, tu te ramasses sur le sol, tu te fais mal en plus et ce son-là va vraiment alerter les ennemis. Il y a même des créatures qui ne voient pas du tout, mais qui entendent très très bien. Et du coup, il y a plusieurs vitesses de déplacement et qui te permet vraiment d'être très très silencieux et d'avancer très, très doucement. On a vraiment eu intérêt à avoir des sons qui sont bien pensés au niveau de l'intensité entre les différents types de sons pour que le joueur ait vraiment un feedback clair de est-ce que là je vais alerter le garde si je continue dans cette voie-là ou est-ce que je vais pouvoir passer dans son dos sans qu'il me voie. Il aura quelques mécaniques un peu moins furtives comme il pourra assassiner les gardes, il pourra devenir invisible. Il y aura pas mal de choses qui vont permettre au joueur de pouvoir s'infiltrer sans se faire repérer. Ce qu'on veut, c'est vraiment que le joueur, quand il recommence un niveau, il se dit « Ah tiens, si j'essayais de passer par là, si j'essayais d'empoisonner la bouffe, si j'essayais de piéger en fait, les gardes, en fait, on veut vraiment qu'il joue avec son environnement. » Et voilà. T'es un personnage qui est fragile, tu vas le comprendre assez rapidement en jeu, je pense. Et voilà, tout tourne autour de ça en fait, dans le jeu. On a vraiment fait un bon boulot, je pense, qu'il n'y a pas forcément sur les RPG, puisque là, le level design, comme le game design, est au cœur du jeu. En fait, la difficulté vient aussi des réglages que moi je vais faire sur l'IA, que de l'agencement des pièces et des patrouilles des gardes. Ça nous a permis de poser des bases solides, en fait, sur le style jeu d'infiltration. Et en level design, on s'est fait vraiment plaisir, et j'espère que ça va se ressentir au final, quoi.